Voilà, bienvenue à tous. Comment ça va bien, les amis? J'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est comme d'habitude, PPA, pensée positive attitude, avec un peu de chaud patate, comme d'habitude, le même mélange de tout ça. Hein. Allez, comment ça va bien, vous me direz sous la vidéo. Comment vous allez, tout simplement, je veux savoir comment vous allez, comment ça va, mes amis, parce que maintenant, vous êtes tous et toutes mes amis. Allez, alors, je vous avais prévenu une série de petites vidéos qui vont durer 10 minutes. Ils vont en avoir plusieurs, ils vont en avoir une, deux, trois, quatre, même plus, on verra. Et on va parler à chaque fois d'un thème différent. Aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous parler et je vais vous montrer un peu comment vous exercer et comment améliorer l'amélioration, améliorer votre intuition. C'est ça, la vidéo d'aujourd'hui, l'intuition. Pour cela, eh bien, on va faire comment? Je vais me servir, pour ceux qui connaissent et vous me connaissez, des petits gris-gris. Voilà, les gris-gris, je vais m'en servir. On fera un petit tirage à la fin de gris-gris, un tirage du jour pour tous ceux qui regardent cette vidéo en direct, enfin, tout de suite dès que je la mets, ou en replay quelques jours après. Ça fonctionne très bien. Je vous dirai un peu ce que nous disent les anges et les guides avec les gris-gris. Les gris-gris, c'est plein de petites choses comme ça. Vous voyez les gris-gris, c'est ça. Voilà. Et on va améliorer aujourd'hui des exercices pour améliorer votre intuition. D'accord? Mon intuition, la vôtre, comment on fait? Comment on fait, Fred Dulac, pour améliorer l'intuition? Allez, je mets tous les petits gris-gris là, il y en a plein. Voilà. Alors, comment on va faire? En fait, c'est très simple. Je vais prendre des gris-gris dans ma main, je vais fermer la main et vous allez vous concentrer, méditer et en vous concentrant, vous allez compter combien j'ai de gris-gris dans la main. On va faire simple au départ, on va faire de 1 à 3 gris-gris, d'accord? Allez, j'en prends 3. Je vais prendre que vous voyez bien, pas trop gros quand même. Allez, je vais prendre la coccinelle. Hop, je vais prendre la clé. Je vais prendre le dauphin, d'accord? Allez, maintenant je mets dessous. Hop, et on va faire quoi? On va faire. Vous allez vous concentrer, concentrez-vous, musique de concentration, et vous vous concentrez vraiment. Et maintenant, vous allez regarder, ma main est là, hop, ma main est là, combien j'ai de gris-gris dans la main. Pour cela, c'est simple, on améliore son intuition. Pour améliorer l'intuition, vous connectez avec vous-même, vous ne pensez plus à rien, et vous regardez bien ma main, ma main fermée. Il y a un, deux ou trois gris-gris. Allez, on se concentre, je me tais, moi je sais. Concentrez-vous bien. On va ré répéter l'opération plusieurs fois, d'accord? Allez, un, deux ou trois gris-gris. Concentrez-vous bien. Réfléchissez. Réfléchissez pas trop. Laissez aller votre esprit. Connectez-vous à moi, à ma main. Combien j'ai de gris-gris dans la main? C'est bon? Un, deux ou trois. Vous avez fait votre choix. Quand on est bien concentré, vous devez arriver à savoir combien il y a de gris-gris dans la main. Allez, j'ouvre. Regardez combien de gris-gris il y en a. Il y en a deux. Est-ce que vous avez eu la bonne réponse? Est-ce qu'on voit bien la caméra? Oui, il y en avait deux. L'autre était là. Donc, il y en avait bien trois en tout. Sauf que j'en avais deux dans la main. Vous avez gagné? Vous avez perdu? Votre intuition est bonne ou pas? Concentrez-vous bien. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, on recommence. Allez, on refait. Cette fois, combien j'en mets dans la main? Combien? Allez, pareil. Concentrez-vous. Concentrez-vous bien. On ferme la main, Fred Dulac. Voilà, on ferme la main comme ça. Aujourd'hui, petite vidéo qui ne va pas durer longtemps. Vidéo sur l'intuition. Je ne parle pas trop fort, c'est important. Il faut se concentrer. Concentrez-vous bien. Un, deux ou trois gris-gris. Allez, cette fois, si vous avez gagné la première fois, c'est que vous avez une bonne intuition. Si vous n'avez pas trouvé la première fois, concentrez-vous. Allez, on ferme les yeux. Fermez les yeux devant votre téléphone, devant votre écran. Et concentrez-vous, connectez-vous à moi. Combien j'ai mis de gris-gris dans la main? Allez, un, deux ou trois. C'est bon? Allez, concentrez-vous bien. Intuition, connectez-vous à moi. Un, deux ou trois gris-gris. Vous voulez voir? Allez, un gris-gris cette fois. Un gris-gris. Vous avez bon ou vous n'avez pas bon? Si vous avez bon, les deux fois, c'est que votre intuition est très très performante. Et ça, c'est bien. Si vous arrivez à capter combien j'ai de gris-gris dans la main, vous allez arriver à capter. Combien, pas combien, si combien, mais vous allez arriver à capter les messages de votre guide là-haut, de votre ange. C'est très très important. C'est pour ça que je fais vraiment cet exercice-là pour vous pendant 10 minutes. On recommence. Allez, même si vous n'avez pas
gagné les deux premières fois. On refait une dernière fois, d'accord? On refait une dernière fois. Allez, concentrez-vous bien. 1, 2 ou 3 gris-gris dans la main. Allez, on recommence. C'est pareil. 1, 2 ou 3 gris-gris. Je ferme la main, on se concentre. Vous connectez à moi, fermez les yeux, vous ne pensez à rien. Pour augmenter votre intuition, pour écouter les messages, il faut arrêter les pensées. Pensées négatives ou positives, on arrête les pensées, on pense à rien. Vous connectez à moi, combien de gris-gris? Combien de gris-gris? 1, 2 ou 3? Allez, vous avez trouvé cette fois combien? Je retourne la main. Combien? 3 gris-gris cette fois. Voilà, est-ce que vous avez bon ou pas? En tout cas, il y avait 3 gris-gris cette fois-là. Voilà, d'accord? Ça, c'était un exercice pour améliorer votre intuition. Vous faites ça tous les jours. Vous le faites avec tout. Vous pouvez faire ça avec tout. Vous passez dans la rue, vous marchez dans la rue, vous fermez les yeux et qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites, tiens, je vais croiser une voiture jaune, une voiture blanche, une voiture noire. Allez, une voiture noire. Vous ouvrez les yeux. Est-ce que c'est une voiture noire? Ça améliore l'intuition pour tout. Tiens, je vais allumer la télé. Je vais changer de chaîne au hasard. Sur quelle chaîne je vais tomber? La 1, la 2, la 6? Pour tout, plus vous allez faire de l'intuition, plus vous allez vous exercer et plus vous allez être performant. D'accord? C'est très, très important. Faites-le tout le temps et vous verrez que votre intuition augmente et votre intuition va s'améliorer. Et après, vous allez capter les messages de votre guide et de vos anges. Voilà. Allez, on finit avec un petit tirage du jour. Un petit tirage des gris-gris. On va prendre tous les gris-gris. Hein. Vous connaissez les gris-gris? Tirage des gris-gris. Pour finir cette vidéo, faites bien les exercices. Vous verrez que à force de faire ça, vous allez vraiment augmenter votre intuition. D'accord? Vous pouvez faire tout le temps, tous les jours. Et vous verrez que ça va augmenter. Allez, je mélange les gris-gris et on va prendre vraiment ceux qui sont au centre. Message du jour avec des gris-gris, c'est parti, on y va. Allez, hop, je ne veux pas en perdre surtout. Voilà, on va prendre vraiment au milieu. Donc au milieu, on a quoi? On a l'anneau, on a le chat, on a la coccinelle et je vais prendre la clé plate. Voilà, le reste, je vais mettre de côté. Donc, premier signe du jour pour vous tous, c'est l'anneau. L'anneau, ça montre quoi? L'anneau, attention, l'anneau, on est toujours un peu emprisonné. On est toujours dirigé un peu. On se fait diriger un peu par les autres. Anneau, on est un peu pris par les autres. Il faut faire attention, premier message. Ne pas trop se laisser prendre par les autres. Nous sommes nous-mêmes décideurs. D'accord? C'est très important. La coccinelle, la bête au bon Dieu, la bête au bon Dieu, comme on dit. La coccinelle, ça montre que vous allez avoir de la chance. Donc, si vous avez dans l'intention de faire quelque chose, d'acheter quelque chose, de trouver un emploi, de changer d'emploi, de trouver l'âme sœur, voilà, c'est une bonne nouvelle, vous avez de la chance, profitez-en. Dès que vous voyez cette vidéo, profitez-en, vous devez appeler quelqu'un, appelez-le, appelez-la, voilà. Troisième gris-gris. La clé, ça montre quoi? Ça montre que vous avez la clé en vous, la clé plate. Vous avez la clé, la solution. Ça, c'est vraiment pour vous aussi. Donc, dès que vous voyez cette vidéo, allez, on pense positivement et vous allez vraiment, vraiment y arriver. Pour finir, on va finir comme ça avec le chat. Le chat qui est là, hop. Le chat, vous le voyez, le petit chat. Et le chat, c'est quoi? Le chat, c'est le ronronnement, c'est la bienveillance, c'est l'ami. Des humains, hein. On a besoin des chats, ils sont là aussi pour nous aider dans cette vie pas facile sur Terre. Le chat, ça montre qu'il faut aussi aimer les animaux, donner de l'amour aux animaux et les animaux vous le rendront, c'est le bon mot, le bon verbe. En tout cas, voilà, c'était un petit tirage du gris-gris, la chance, tout ça. Donc, si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Le tirage est bon. Voilà, on finit en musique. Ciao, ciao. C'était la première vidéo intuition pour tout le monde. Et la prochaine fois, eh bien, ça sera quoi? Eh bien, vous verrez une autre petite vidéo. Je vais vous parler de carrément autre chose, d'accord? Ciao, ciao. Si ça veut bien partir. Voilà. Ciao. L'intuition, hein? Pensez positive.